en vertu de Al-Udhiyah. Maintenant, Ban qui prend port Urbani, un premier règlement qui oblige à faire attention. Celui qui finit faire l'intention Urbani, les bisins veillent la ligne de l'Hijjah. Parce que c'est la ligne Eid, comme on dit, parce que c'est la ligne Eid qui, comment dire, on dirait bisins veillés, pour qu'on parle sur le pétard. C'est nous avons qui a l'intention de faire Urbani, je bisins veillent la ligne de l'Hijjah. Qui fait? Aussitôt que la ligne de l'Hijjah apparaît, aussitôt que la ligne de l'Hijjah apparaît, on n'est plus qu'il y a coupe zone, coupe moustache, coupe CV, on va totalement dire à Zaba parce qu'il y a question pas posée, ça n'est pas haram, même ça. Alors, et, ou pas qu'un droit enlève non rien depuis dans l'école. Ou pas qu'un droit enlève non rien depuis dans l'école, mais il y a même race, une partie des corps qui normalement visent à race. Alors, si un dimon peut prendre port Urbani avant la fin mois de l'Qa'da, mois de l'Qa'da peut coûter dans la fin là. Alors, je vous donne le conseil, c'est ma prochaine qui fait tout ce qu'il a fait. Si on peut prendre port Urbani, si on a pour coupe CV, si on a pour coupe moustache, si on a pour raser, hein, alors donc fini faire lui, parce qu'une fois qu'il a l'île de l'Hijjah fin paraître, on n'est plus qu'à faire ça. C'est-à-dire qu'on peut bien abstenir depuis coupe zone, coupe cheveux, coupe moustache, raser. Alors ça, les spécifiques pour celui qui peut faire Urbani. Pas tout le monde dans la case, non. Celui qui peut faire Urbani, c'est le chef de la famille. Aster, si dans la case là, messieurs, madame, enfants, je tout prends un port pour Mani, je tout bise à observer ça. Je tout bise à observer ça règlement là. Mais si juste le chef de la famille peut faire pour Mani, juste les tout seuls qui bise à observer ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, qui trouve dans le Sahih Muslim, إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. Quand les 10 jours de Dhul-Hijjah finent rentrer et un parmi eux finent faire l'intention de faire Urbani, alors qu'il n'a pas tous noyé de ce cheveu et de ce la peau. Qu'il n'a pas tous noyé de ce cheveu et de ce la peau. Maintenant, comme éclaircissement, alors, et un hadith encore dans Sahih Muslim, encore un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui finit un animal pour qu'il y égorge, quand la nouvelle lune de Dhul-Hijjah finit apparaître, qu'il n'a pas pour en ennuyer de ce cheveu et ce zombie jusqu'à qu'il y fait Urbani. Là maintenant, comme on nous le fait dire, ça l'applique seulement pour celui qui ne prend pas Urbani le son nom. Ni le son madame, ni le son enfant. Deuxième, celui qui, s'il finit arriver, prend pas Urbani, et ça arrive beaucoup ça, les pas qu'on aime, la ligne finit par être. Les pas qu'on aime, la ligne finit par être. La ligne de l'Hijjah finit par être, nous arrivons premier, deuxième. Alors, dans le deuxième jour, les pétaisons, ou bien entre chaque 10 jours, avant ce Urbani, pour le premier jour l'Hijjah, par le dixième jour l'Hijjah, donc ça va nous jouer là, les pétaisons, les coupes CV. Est-ce que ce Urbani compte ou bien pas compte? Ce Urbani il compte. Ce Urbani il compte, mais il gagne un PC pour sa action-là. Il gagne un PC parce qu'il désobéit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement ce Urbani il compte. Ce Urbani il compte, mais il gagne un PC pour sa action-là. Si un démon, il n'a pas fait ça, il n'a pas coupé ses cheveux, il n'a pas coupé ses moustaches, il n'a pas coupé ses ongles, la ligne de l'Hijjah fait paraître qu'il n'a pas fait aller excepté après ce Urbani. Qu'il n'a pas fait Ali, excepté après ce Urbani. Quand il finit faire Urbani, jour Eid, hein, avant il y a le coup de belle-mère, il y a le bain il y a le bain ouvert ça. Hein? Alors donc, si l'Ipan fait Ali, l'Ipan fait Ali dans sa 10 jours-là, il fait Ali après le jour de Eid, mais seulement après ce Urbani. Après ce Urbani, il y a ses ongles, il y a ses cheveux, il y a les coupes ses moustaches. Cheikh Uthaymeen rahimahullah lui dit dans une de ses bonnes paroles dans Al-Jami' lui dit si les 10 jours de Dhul-Hijjah finissent rentrer sans qu'il y voulait faire Urbani et ensuite pendant ces 10 jours là il décide de faire Urbani il arrête de prendre ce cheveu ou bien sur la peau à partir de son intention ce qu'il finit prendre avant sur l'intention ça va affecter lui. Un djimoun lui pas décide pour faire Urbani 7e Dhul-Hijjah, 3 jours avant Bakri. Alhamdulillah, Allah fait le faveur, un pita est glissé. Hein? Il va s'en faire sur lui, un pita est rentré dans la caisse. Alors, il décide de faire Urbani. Ici, alors, est-ce que, ça dit mon là,
si comment dire, les filles décident au milieu, dans ce match-là, la ligne finit par être, est-ce qu'il dit non, mais mon fini de coupe zone, mon papa ne va prendre pas pour Bani? Non, il prend ce port pour Bani. Prends au port pour Bani. Pas tiens l'intention pour Bani. Alors, pour ça, on t'a joué une coupe CV. Mais du moment qu'on fait l'intention, les là qui ça, ça, et ça, règlement-là, ça, masalala, il est appliqué. À partir qu'on fait l'intention. Même s'il dit la veille, par exemple, pas capable d'arriver ça. Il pas tiens l'intention, il la veille, il a le temps de dire avec Bayanté, il n'est pas. Alors, la veille, il a fait l'intention pour faire Kurbani, donc là, ça quitte chose là, il n'est pas affecté sur Kurbani, même s'il n'est pas achevé, même s'il n'est pas zone, il prend ce fort Kurbani, puis il n'a aucun problème là.